Camilo. Je suis Camilo. Échec. Et j'en ai dit la mienne. Je suis Camilo. C'est la mienne. C'est la mienne. La mienne. Ok. Il est en vacances, mais alors. Classe quoi, alors? Cinquième. Où est-ce? Où est-ce? Samedi. Et il va aller dans le jeu de chez Caro. Il va aller dans sa vacances, mais alors. Ok. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je suis en train de disposer les pièces du jeu d'échecs pour donner quelques leçons à mes petits. Okay. Je suis en train de passer, j'ai vu que les enfants, les jeunes, nos élèves sont en train de jouer les jeux d'échecs. Et c'est pour la première fois que j'ai vu ça, quoi. Que devant une maison, les jeunes sont en train de jouer les jeux d'échecs. Et là, j'ai jeté les yeux et j'ai vu qu'on a écrit centre des jeux d'échecs. Et heureusement, vous êtes là. Et nous sommes là pour en savoir encore un peu plus quoi sur ce qui vous a poussé à installer les jeux d'échecs pour les enfants, surtout pendant cette période de vacances. Merci beaucoup pour la question. Alors, pendant les vacances, les grandes vacances scolaires, l'école des jeux d'échecs organise une séance de formation pour tous les jeunes désireux de connaître plutôt que de les voir trimballer, aller de gauche à droite. J'estime qu'il serait beaucoup plus avantageux pour eux de les initier à la science du jeu d'échecs. Donc c'est pour ça que nous sommes là dans les gazons de la devanture de l'école des jeux d'échecs pour la pratique de ce soir. Ok. Quel est l'important de ces jeux d'échecs là pour les enfants? Ah, la valeur éducative, les valeurs éducatives du jeu d'échecs sont indéniables. Ça permet la concentration et l'analyse silencieuse, la maîtrise de soi et l'apprentissage de la défaite. Plein de choses. L'organisation de l'espace et du temps. Parce que nos enfants, quand on leur donne des problèmes à l'école, ils n'appréhendent pas la notion du temps. Mais avec le jeu d'échecs et avec une pendule, ils savent que ils doivent jouer et, comment on appelle, tenir compte du temps. Donc voilà, ce sont quelques avantages de la pratique du jeu d'échecs. Ok monsieur, si un parent désire que son enfant soit initié au jeu d'échecs, où on peut vous trouver? Bon, l'école se trouve à Dido Gomé, non loin de la pose d'Adido Gomé, derrière la pharmacie Elie Biraka et en face de l'école Le Faucon. C'est une maison à étage blanche portant l'inscription École des Jeux d'échecs. Merci. Les après-midi, nous sommes ici, sauf le vendredi après-midi où je donne des cours à domicile. Merci. Votre numéro, par exemple, si quelqu'un veut vous appeler directement. Voilà, mon numéro, c'est le 90-18-55-04. Ou bien le 98-70-31-44. Merci. Oui, une quantité de jeux d'échecs et on choisit. Jeux d'échecs, et là, il y a la sous l'écho. Donc, on s'est la vivine au football là. Alors, à Dabia. Ok. Il y a Rémi, on a concours, tiens. Ok. Milo, je vais aller. Mais quand nous viens de le fournir, on va le dire. Ok. Il y a le bénéro. Combien il faut à un parent? Est-ce que la participation à ce jeu ou bien l'initiation à ce jeu est gratuite? Bon, pour
nos jeunes du quartier, je le fais bénévolement. Mais si un parent trouve que il peut apporter un plus à nos efforts, ce sera bien, bien accueilli. Je peux donc dire que l'initiation est gratuite. Bon, mais après l'initiation, il faut avancer, comme on l'appelle, dans le jeu. En ce moment-là, le parent doit débourser quelque chose pour que l'on puisse passer aux choses sérieuses. Ok. Donc, si un parent veut que son enfant soit initié aux jeux du siècle-là, il peut l'amener chez vous. Il peut vous appeler et il sera initié de manière gratuitement. Mais si le parent veut que ça soit plus approfondi, il doit payer quelque chose pour soutenir le centre. Voilà. Ok, merci beaucoup. Dans l'après-midi, dans les après-midi. Dans les après-midi, à partir de quelle heure? Oh, 15h-16h. 15h-16h à... À 17h. À 17h. Oui. Ok, merci beaucoup. De rien, merci beaucoup. L'association Togolaise pour la promotion du jeu d'échecs est une association créée depuis 2012 et enregistrée au ministère de l'Intérieur en mai 2014. Grâce à mes activités et au collège d'enseignement du CEG d'Agito Gomé durant la fête du Léon, les autorités m'ont approché, voyant que je donnais des cours de jeu d'échecs aux jeunes, m'ont approché et c'est par cette valeur, comme elle appelle, action, que j'ai pu obtenir le récépissé pour augmenter mes activités. Et ce, l'activité va en grandissant. Je tiens à vous dire aussi que pour les jeux du milieu rural, j'ai créé l'annexe du jeu d'échecs à Colomb, dans la sous-préfecture de Thiéville. C'est en construction et l'année prochaine, et l'annexe sera ouverte pour instruire les jeunes du milieu rural. Donc, on ne se cantonne pas seulement à Lomé, mais nous voulons aller petit à petit dans les hameaux, dans les campements, ainsi de suite. Il faut que le jeu soit popularisé, compte tenu des valeurs éducatives que ce jeu donne à la jeunesse. Merci. Oui, cet après-midi, je passais et à ma grande curiosité, je vois les enfants en train de jouer du jeu d'échecs. Waouh! Devant comme ça là, vous trouvez les enfants en train de jouer un jeu comme jeu d'échecs. C'est une curiosité pour moi, mais je me suis posé la curiosité pour voir. Bon, qu'est-ce que c'est? Et je vois que c'est un centre, c'est une école de jeu d'échecs qu'on a au Togo. C'est quelque chose qui m'a beaucoup émerveillé. Parce que le jeu d'échecs, c'est un jeu très important pour les stratégies de pouvoir, l'organisation de la société, et ça développe l'intellect des jeunes. Et j'ai discuté avec tous les responsables qui dit que c'est sa contribution pour le développement de l'intellect ou bien de l'intelligence de la jeunesse. Ou chaque vacances, surtout pendant les vacances, ou bien. C'est pendant les vacances, non? Pendant les vacances, oui. Et les congés de Noël, Pâques. Et le congés de Noël et Pâques, une sorte, comment on l'appelle, c'est pas tout à l'échiquier. L'échiquier. Ils sont l'échiquier et les jeunes jouent devant sa devanture et les initier au jeu de chèque. Et il dit qu'il est là pour tous les parents qui veulent initier leurs enfants à jouer au jeu de chèque. Nous aussi, qui ne savons pas jouer, nous pouvons aussi jouer, hein, parce que c'est un jeu qui va nous aider tous. Donc, je vous invite, si vous avez le temps, si vous avez des jeunes, des enfants à la maison, de venir au centre, l'école des jeux de chèque à 6 à 2 gommés, non loin de la poste, pour initier vos enfants à ce jeu de chèque. Merci.